Good morning, Aleid, et les sucres aujourd'hui, les Lunishmat, François Fanji Ben Khana, Janine Ruth, Bat, Vorto de Mazal Fritna, et Claude Shlomo Ben Shalom, si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah. Contactez les 5 minutes éternelles, nous, c'est une Maseret Kiddushin, Perek Gimel, Mishnah Gimel. Almenat, chez Yeshli, Bet Kor, Afar, Arezo, Mekudeshet, Ve Yeshlo. Almenat, chez Yeshli, Makom, Ploni, Im Yesh, Yeshli, Be Makom, Ploni, Im Yeshlo, Boto Makom, Mekudeshet, Ve Im Laven, Mekudeshet. Almenat char ech bet kor afar, arzo mekudeshet viyar enna, vim er ah babik ah enna mekudeshet, Mishnah qui reprend les mêmes principes évoqués dans la Mishnah précédente, sauf dans la Mishnah précédente, la condition c'était que je marie une femme à condition que je possède 212. Maintenant, cette fois-ci, elle veut pas 212, elle veut que j'ai concrètement un terrain. Et dans ce cas-là, la Mishnah me dit comme ça. Almenat sheyeshli bet kor afar, je lui dis. Tu es marié à condition que j'ai, que je possède un bet kor, une certaine mida, je ne sais pas comment on va traduire ça, de un hectare de afar de terre, c'est-à-dire quoi? J'ai une terre d'un hectare, ou j'ai une terre de un bet kor. Dans ce cas-là, la Mishnah me dit, à raison, mais que déchète Bayeshlo, la femme sera mariée si je les possède. Et de nouveau, s'il y a un doute, est-ce que j'ai ou j'ai pas, et que tout le monde croit que j'ai pas, allez savoir est-ce que j'ai pas finalement un terrain quelque part. En Géorgie. D'accord? Par contre, si je lui dis Almenat Sheshli Bemakom Ploni, si je lui pose la condition en lui disant tu es marié à condition que j'ai dans tel endroit une terre, dans ce cas-là, Imiyeshlo Botomakom Mekudeshet Vimlaven Mekudeshet. Si je possède concrètement une terre, j'ai dit dans tel endroit, j'ai dans tel secteur, je ne sais pas moi, dans les. Dans le secteur à, on va dire, à Beth Meir, pour le prédire au Shalaim, que je possède une terre. Alors la Mishnah va dire, mais écoute, c'est très simple. Si tu possèdes dans le secteur de Beth Meir, tu as. Sinon, non. Cette fois-ci, c'est quelque chose qu'on va pouvoir éclaircir, qu'on va prendre. On sait là-bas qu'il y a, au total, dans cette vallée là-bas, il y a 15 terres. Et bien, on va voir c'est qui les 15 propriétaires. Et dès qu'on aura vu que tu ne possèdes pas, elle ne sera pas mariée à la femme. À la différence du cas précédent, où je lui dis de manière générale que je possède et qu'il est probable que peut-être que finalement, c'est une éventualité, que je possède une terre quelque part en Alaska. Là, dans ce cas précis, la fête facile, tu as dit, c'est pas en Alaska, tu as dit dans cette vallée. Donc cette vallée, on va pouvoir partir cibler la vallée et compter qu'il y a 15 terrains et tu n'en as aucun cas à toi. Donc la femme, elle n'est certainement pas mariée. Pas dans le doute. Ok? Maintenant, nouveau cas de figure, Almenat chez Arer Bet Koafar. Je lui dis maintenant, tu es marié à moi à condition que je te montre. C'est pas que je l'ai laissé dans le doute, peut-être que j'ai pas, qu'elle me croit. Non, non, je vais te montrer. Tu as un doute, tu veux pas te marier avec moi parce que tu crois que j'ai pas de terre. Je vais te montrer que je possède une terre. Almenachar, er, bet koafar, que je vais te montrer que j'ai une terre, que je vais te montrer la terre. La femme, la Mishnah me dit, a raison, mais kodeshat veyar ena. La femme sera mariée et je devrais lui montrer. D'accord? Je vais la prendre et puis si finalement je lui montre pas, ben elle sera pas mariée, mais si je le montrais, elle sera mariée. Mais attention. Bim R.A. Babeka, mais s'il a montré une terre dans la vallée, mais il ne va pas montrer la sienne. Elle a vu que le chef, la femme ne sera pas mariée. Précision, de nouveau, comme dans la Mishnah précédente. Même idée. Même si, concrètement, la terre que je lui montre, c'est une terre que je détiens, j'ai fait un bail dessus pour 11 ans, que c'est moi qui vais exploiter cette terre. Je lui montre, en fait, regarde, donc j'ai une terre. Mais puisque je ne suis pas le propriétaire attitré, la condition était est-ce que tu possèdes une terre et pas que tu sois juste. Que tu es en gérance ou que tu es un bail sur un terrain, que tu loues un terrain, ça ne suffit pas. Il faut concrètement qu'elle soit la tienne. Ok? C'est tout pour aujourd'hui. C'est une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tuv, Selah.